verbe bannir la tristesse que nous laisse tes éons s'éloignant de nous. Je reconnais des dieux la sagesse infinie appliquée sans relâche au repos des humains. Il ne laisse partir de leur puissante main que ce qui peut causer le bonheur. Abandonne ses morts que pour nous consoler de cette perte extrême leur bonté suprême fait venir ma cruce dans nos bords. Ma prophète, Seigneur, en toi cet avantage, les dieux aiment en vous leur plus parfait ouvrage. Mercure vient de descendre des cieux. Il m'a dit que bientôt je verrai en ces lieux le héros du ciel tire son origine, le héros qui dans l'état sans peuple vaincus et qui brille bien moins par sa race divine que par l'éclat de sa vertu. Mais connaître Bacchus, quand le ciel pour nous s'intéresse, ne cessons point d'admirer sa beauté. Quand chaque vain succède la maigresse, les dieux nous rendent plus qu'ils ne nous ont ôté. Offrons aux dieux des flots à sacrifice, puisse nos chambres leur promise qu'ils conduisent en ces lieux le plus grand des roses.
mon cœur et ma couronne. Un regard seulement ne peut vous flatter mon amour tourmente. Depuis qu'un amant parjure pour mon malheur su me charmer, je hais toute la nature. Comment pourrais-je vous aimer? Me fuyez cruel, mais un fait de ces lieux vous délivre vos bases. Malgré votre haine éternelle, je suis arrêtez-le, jugez de ma peine, par celle que vous ressentez. Je vais te
Resiste, durare.
bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver lors de cette représentation en direct, en live, comme on dit, d'Ariane et Bacchus de Marin Marais. Ce projet que nous portons depuis plus d'un an et qui se voit aujourd'hui porté sur la scène et par la magie de la technique, eh bien, arrive jusque chez vous, jusque dans vos foyers. Eh bien, nous le devons d'une part, bien sûr, par l'équipe extraordinaire du CRR de Paris qui porte ce projet et de tous nos partenaires. Je ne peux pas tous les citer, mais bien sûr, nous pensons particulièrement aux établissements d'arrondissement de la ville de Paris, mais également au Conservatoire d'Île-de-France, Orsay, Versailles, et bien sûr, les établissements supérieurs avec lesquels nous travaillons régulièrement, le Pôle Sup Paris-Boulogne-Billancourt et les deux conservatoires supérieurs, Paris et Lyon. Ce projet a plusieurs objectifs. D'une part, il s'agissait de travailler un opéra quasi inédit, dont c'est là la recréation européenne, avec l'un de nos grands partenaires privilégiés, le Centre de musique baroque de Versailles, avec qui nous avons monté ce projet. Le CMBV, comme on l'appelle, eh bien, a non seulement réalisé la partition, tout le matériel d'orchestre, nous a prêté les 24 violons du roi, notamment les instruments de haute contre de violon, de taille de violon, de quintes de violon, qui sont les instruments intermédiaires dans l'orchestre. Nous avons donc reconstitué, en quelque sorte, le grand orchestre Louis XIVien, en faisant une sorte de synthèse entre l'orchestre de la cour et l'orchestre de l'Académie royale de musique dans ses effectifs. Le CMBV nous a aussi aidés, puisque nous avons réussi à organiser l'an dernier, juste avant le premier confinement, eh bien une série de conférences, de masterclass, de workshops autour de ce projet, autour de l'opéra baroque français. Se sont succédés pendant 3 mois des chercheurs, des musicologues, des danseurs, non seulement du Centre de musique baroque de Versailles, que nous remercions très chaleureusement, mais également d'autres laboratoires de recherche, dont notamment l'IREMUSE. Donc ce travail, c'est vraiment un travail de réflexion, de longue haleine, que nous avons mené avec nos partenaires. Et puis, c'est aussi le fruit d'un travail que nous menons à l'année avec toute l'équipe du Conservatoire à rayonnement régional de Paris autour de 2 axes forts de notre enseignement. Il s'agit des métiers de l'orchestre que nous développons depuis plusieurs années et nous essayons chaque année eh bien, de proposer des productions dans un cadre quasi professionnel, professionnel même, avec tous les éléments qui concourent au métier de l'orchestre. Et puis, nous avons la chance d'avoir aussi ce cursus unique en France qui est ce cursus d'opéra baroque, art de la scène, qui permet aux chanteurs de travailler tous les aspects scéniques en profondeur. Et là, les chanteurs que vous entendez ce soir, eh bien, ont non seulement travaillé bien sûr les partitions, ont travaillé avec le chef Stéphane Fuget, les différents professeurs de chant, Isabelle Poulnard notamment, mais ont également travaillé la prononciation ancienne du français, ce que l'on appelle la prononciation restituée du français, notamment avec Lisandro Nessis. Et puis, on fait un travail de plateau, de technique de plateau que vous voyez ce soir à travers cette mise en espace avec Manuel Weber, à qui je vais laisser la place dans quelques instants et qui va vous dire un mot de ce travail. Donc voici en quelques mots eh bien, la philosophie de ce projet et nous remercions vraiment très chaleureusement tous nos partenaires d'avoir pu nous aider à mener à bien ce très grand projet. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Manuel Weber, notre professeur de technique théâtrale, qui va vous dire un mot. Oui. J'enlève le masque pour se rappeler quel plaisir de pouvoir aussi travailler sans masque après des semaines et des jours entiers à répéter avec des masques. Puisque bien sûr, nous avons répété pendant des semaines dans les contraintes sanitaires qui sont celles que nous connaissons en ce moment. Et aujourd'hui, enfin, les chanteurs, je dirais, chantent librement, j'espère à des distances qui sont réglementaires par rapport à celles du temps. Et dans le plaisir surtout inhérent à celui qui doit être celui de l'art dramatique. Car en fait, notre travail a essentiellement consisté, indépendamment bien sûr des contraintes de la déclamation bien sûr, à essayer de mettre les acteurs, chanteurs, dans un état de disposition par rapport au jeu. C'est-à-dire que nous avons essentiellement travaillé les personnages, non pas dans l'ordre de la composition, mais au plus près de ce que sont les interprètes, au plus près de ce que sont les chanteuses et les chanteurs, afin que chacun soit, je dirais, presque dans son corps, dans sa gestuelle naturelle, et à partir de ce qu'il est, de ce qu'il propose naturellement,
Les chanteuses, les chanteurs se sont appropriés les personnages. Le roi est un roi jeune parce que son interprète est jeune, par exemple. Et le travail est à l'avenant en essayant de favoriser le plaisir, l'improvisation, je dirais presque jusqu'au dernier moment. Par exemple, une heure avant de jouer, une chanteuse me demande si elle peut apporter une modification dans un bijou, dans un élément de costume. Eh bien oui, bien sûr. Si ça ne contraint pas son jeu, si ça ne la dérange pas, bien sûr. Jusqu'au dernier moment, nous pouvons, dans cet état d'esprit d'improvisation et de rigueur, modifier des choses si, bien sûr, la partition n'en souffre pas. Voilà. À présent, je vous souhaite un bon spectacle et un bel opéra. Merci. Bonjour, je suis Thomas Lecomte, musicologue au Centre de musique baroque de Versailles et je fais partie donc de l'équipe qui a eu le plaisir d'accompagner ce magnifique projet centré autour de cette tragédie en musique, Ariane et Bacchus de Marin Marais, tragédie en musique qui fut créé le 8 mars 1696 à l'Académie royale de musique, c'est-à-dire l'Opéra de Paris, fondé en 1672 par Jean-Baptiste Lully. On peut être étonné par ce que Marin Marais, qui est beaucoup plus connu pour être violiste et virtuose de la viole, ait écrit un opéra. Il en a écrit 4, en fait. C'est son second. Le premier étant Alcide, ayant été composé à quatre mains, si je peux dire, avec un des fils de Lully, Louis de Lully, qui avait été pressenti, disons, pour succéder à son père qui avait conçu, disons, le genre de la tragédie en musique. Et Ariane et Bacchus est finalement le premier opéra que Marin Marais va écrire seul. Il y en aura deux autres, Alcyone en 1706 et Sémélé en 1709. Alors Ariane et Bacchus, malheureusement, en dépit de ses qualités musicales exceptionnelles, quand vous allez en juger, fut un échec. Alors il ne faut pas en tirer des conclusions trop rapides. On est dans une période très troublée qui est finalement cette succession lourde de Jean-Baptiste Lully. Lully qui meurt en 1687, qui est à la fois le créateur de l'opéra, qui est compositeur, qui est chef de troupe, qui est administrateur. Et l'Académie royale se retrouve orpheline en quelque sorte à la mort du surintendant et va commencer une période assez compliquée à la fois de gestion administrative de l'institution et une gestion administrative qui va se doubler et qui va entraîner des difficultés aussi esthétiques. Le fantôme du Lully va rester longtemps, va planer longtemps au-dessus de cette Académie royale de musique. Et malgré les efforts de renouvellement du répertoire, c'est encore ce modèle qui va perdurer. Et les compositeurs les plus novateurs, finalement, comme Marin Marais, Henri Desmarais, Pascal Collas, même le grand Marc-Antoine Charpentier, va lui-même se casser les dents à l'Académie royale de musique, parce que on est encore imprégné de ce modèle lulliste. Ces compositeurs essayent d'apporter des nouveautés et Ariane et Bacchus se situe à la fin, à une période de transition, si on peut dire, où la tragédie va devenir beaucoup plus galante. On va délaisser les héros et les hauts faits héroïques pour des sujets beaucoup plus légers et plus galants. Et Ariane et Bacchus se situe finalement un peu trop tôt par rapport à l'évolution vers ce goût galant et on aura plus de succès après. Mais Marin Marais est incontestablement un des grands auteurs d'opéra et de ces premiers opéras français qui vont être imités partout en Europe. Je pense que le moment est venu de laisser la musique se dérouler. Et avant cela, je laisse la place et la parole à Hubert Hasbrouck.
Bonjour, je suis Hubert Hasbrouck, je suis chorégraphe spécialisé en danse ancienne et particulièrement en danse baroque. J'ai eu le plaisir d'être invité par le CRR à chorégraphier avec deux danseurs professionnels plusieurs des danses de Ariane et Bacchus de Marin Marais, ce qui permet notamment aux instrumentistes d'expérimenter ce qui se passe lorsqu'ils jouent pour la danse, d'autant plus que l'on sait que le style français est particulièrement associé au rythme des danses pratiquées à l'époque. Cette tragédie en musique Ariane et Bacchus est particulièrement intéressante pour les danses parce qu'elle offre un large éventail de caractères, de personnages, de couleurs dans ses intermèdes, mais aussi de fonctions dramatiques et dramaturgiques. Et cela permet d'explorer véritablement différentes qualités, mais aussi différents niveaux, on pourrait dire, de danse, de la plus noble, la plus raffinée, la plus ornementée, à une danse beaucoup plus expressive ou un peu plus athlétique, même à travers, par exemple, les personnages de démons. Pour composer les danses, je me suis appuyé beaucoup sur des citations du répertoire noté au début du XVIIIe siècle dans le système de notation de la danse nommé aujourd'hui Beauchamp-Feuillet, qui nous permet donc de connaître un certain nombre de combinaisons, mais aussi la relation à la musique des pas. Dans la plupart des danses. Il est évident que nous n'avons pas des danses pour tous les types de caractères. Autant on peut faire des citations pour les sommeils, surtout que l'on a des sarabandissées qui correspondent à des sommeils. Et il s'est créé très peu de temps après Ariane et Bacchus, même si les chorégraphies sont un peu ultérieures. Par contre, pour les démons, nous n'avons pas de notation, donc il a fallu créer entièrement. Mais il s'est agi pour moi de maintenir un haut degré de stylisation et de garder autant que c'était possible la structure du vocabulaire et la structure de la relation à la musique que l'on connaît par ailleurs. J'ai également employé des masques dans plusieurs cas, comme c'était le cas sur scène à l'époque. Cela participe pour moi à cette sorte d'amplification poétique que représente la danse dans le divertissement, où les danseurs sont souvent des suivants, des doubles ou des évocations de personnages qui sont dans l'action. Ainsi, dans les songes, les deux songes dansants métaphorisent d'une certaine façon les amours hallucinés dans le rêve de Bacchus et d'Irsé. Et je voudrais terminer sur l'entrée des démons qui a été pour moi particulièrement intéressante au sens où elle montre comment parfois la danse peut véritablement devenir un moteur dans le déroulement de la pièce, puisque l'entrée de démons passe d'un hommage à Gérald à une sorte de fête pour tout d'un coup s'interrompre brutalement dans un deux lents qui montre leur impuissance face à la divinité, à la protection dont jouit la divinité de Bacchus. Et donc, cela fait véritablement rebondir le divertissement. Donc, voilà, j'ai essayé de travailler autant qu'il était possible dans un sens de dramaturgie et de variété de la danse. Et j'espère que ce sera pour vous une découverte des multiples facettes de la danse baroque. Bonjour, je suis Stéphane Fuget et j'ai deux classes ici au département de musique ancienne du CRR de Paris. Une classe de chef de chant pour les clavecinistes qui viennent apprendre à faire travailler les chanteurs pour le répertoire baroque, c'est-à-dire le répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles essentiellement, et une classe d'opéra baroque dans laquelle nous réalisons en moyenne deux ou trois opéras tous les ans.
à part les années évidemment perturbées par le Covid par exemple cette année. Donc c'est un projet que nous avions pour l'année dernière qui a été reporté maintenant et que nous sommes très heureux de pouvoir faire enfin aboutir. Voilà, peut-être je vous dis un petit mot plus spécifiquement sur le travail que nous avons fait, notamment de l'ornementation dans l'opéra de l'Ariane de Marais et le moment assez particulier auquel nous nous trouvons. Il faut savoir que sur une partition comme celle de l'Ariane, on a un certain nombre d'informations qui sont marquées et beaucoup d'informations qui manquent, notamment au niveau des modes de jeu, au niveau des nuances, au niveau des instrumentations. Nous avons un certain nombre de traditions que nous avons pu retrouver maintenant, notamment en travaillant avec les parties séparées, puisque on sait qu'à partir de 1704, on a retrouvé des parties séparées sur lesquelles jouaient les instrumentistes, sur lesquelles il y a finalement assez peu de choses qui sont notées. Très curieusement, pas les coups d'archet, très peu de nuances, voilà, et très peu d'ornements. La chose qui est évidemment intéressante, c'est de se dire si c'était ça qui était noté sur la partition, quelle était en réalité la réalisation de l'œuvre. Et là, on a une source qui est évidemment fondamentale pour cette époque-là au niveau des instruments. C'est Muffat. Muffat, qui est un compositeur de l'autre côté du Rhin, qui vient en France et qui assiste très probablement au travail de Lully. Il retourne ensuite en Allemagne et il nous parle de la manière de jouer de l'orchestre de Lully assez précisément, et notamment au niveau de l'ornementation. Et on s'aperçoit que ce que nous dit Muffat, c'est qu'il y a énormément d'ornements qui étaient rajoutés à la partition. Et que si on restitue simplement les notes qui sont marquées sur la partition, on a finalement un grand pourcentage de l'œuvre qui n'est pas donnée. Cette chose-là, elle est corroborée par les écrits qu'on a des traités des Français à cette époque-là, qui publient notamment pour faire découvrir le geste interprétatif, en partie aux amateurs, mais aussi à des publics éclairés qui pratiquaient des instruments. Par exemple, je pense au traité de Jean Rousseau sur l'art de jouer de la viole, et évidemment le traité de Bassilly, qui, même s'il est un petit peu plus tôt, peut servir de référence, qui est un traité sur l'art du chant, et qui lui aussi explique tout ce qui doit être rajouté à la partition et qui n'est pas noté. Et lui aussi donne une quantité assez considérable d'ornements. Donc vous aurez pu entendre qu'en fait, on a rajouté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ornements, en partie pour deux choses, avec deux guides, on va dire, en dehors de ceux dont je viens de parler. C'est l'idée que les pièces de Marin Marais, notamment pour la viole, sont des pièces qui sont extrêmement ornées, comme fait d'Anglebert à la même époque, et comme fera Couperin un petit peu plus tard, et que leur publication est très 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 soignée. Et dans ces publications-là, le Marin Marais nous donne une très très grande majorité des ornements, contrairement à beaucoup de compositeurs de cette époque-là, effectivement. L'autre chose aussi, c'est les transcriptions d'Anglebert des pièces de Lully qui ont été publiées sensiblement dans les mêmes années, puisque on est dans la dizaine, hein, on va dire les 15 ans qui précèdent la fin du XVIIe siècle. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, dans les transcriptions que d'Anglebert nous donne des Lully pour clavecin, il y a une quantité considérable d'ornements qui sont ajoutés, qui ne sont évidemment pas notés dans les partitions de Lully et qui là non plus ne sont pas dans l'Ariane de Marais. Voilà, donc je pense que peut-être vous aurez quelques pistes maintenant pour pouvoir mettre l'oreille davantage sur ces petits enjolivements qui viennent orner la phrase, qui viennent donner du sens à la phrase, donner du phrasé et en même temps la faire briller. On pense évidemment au soleil, des couchers de soleil qui se reflètent dans la galerie des glaces et qui font briller les ors de Versailles. Bonne écoute. Thank you.
arraché de ce fatal séjour, je ne m'offrirai plus à vos yeux inhumaines. Je veux vous épargner la peine de rebuter mes souhaits, c'est mon amour. Mais en vain, je fus cruel, malgré votre injuste rigueur. En effet, la fureur s'empare de mon âme.
Je t'en prie, sans ce, et plus jaloux sur son, sans le tir.
Thank you.
Et vertus parlera d'arrivée.